Zami famille Anoué Lakay, département d'État américain mandé à CARICOM pour créer un conseil présidentiel pour choisir un juge Cour de cassation comme président pendant y a Kembe Gary Kony comme premier ministre. Selon un poste de Gary Pierre-Paul Charles que yon source proche de corps groupe partagé avec les Zami famille Anoué. Eh bien, déclaration ça vini nan mitan yon crise qui existait entre CPTI ak Gary Kony que hier soir CPTI pren une résolution pour révoquer Gary Kony. Le journal américain Miami Herald qui parlait de coup d'état. Li dit si conseil arrivé révoquer Gary Kony, transition a tout crasé. Li considérer position américain par rapport à Gary Kony que nous pral garder à Tixa ensemble zami famille mio. Gemet Benagous qui parlait avec radio télévision Métronome déclaré décision conseiller présidentiel pour révoquer Gary Kony illégal. Li basé sur article 2 dans décret qui créait conseil. Côté li avancé signature 3 conseillers qui inculpé yo invalide. N'a rappelé que document ça li déjà rivé selon plusieurs sources dans presse nationale côté apparaît pour publier donc résolution ça que conseiller ont pris entre yo pour révoquer Gary Kony et pour gagner yon l'autre résolution donc pour nommer moun ka remplacer Gary Kony. Mais matin dans atelier sous question élection ak référendum déclaration Gary Kony l'en mettait en pile confusion. Et bien Gary Kony zami famille nou yo di nou pap fè bak n'ap organize élection en 2025 en février 2026 n'ap remèt bay nouveau élio. Est-ce que conseil a publié résolution après déclaration ça nous pral fè ou tande n'ap continue à avancer et nou pap fè bak nou pou aller vers référendum là pour 2025 pa gen route pa bois 7 février 2026 transition à bout avec élu dans tête pays qui sorti dans bon genre élection sans magouille, sans violence, sans contestation. C'est garanti ça ban aujourd'hui. Ça c'est déclaration matin premier ministre là fait pendant atelier sous référendum sous élection que monsieur t'a fait membre CPT en té là nous voit que président Leslie Voltaire ba la main avec Gary Kony et nous voit que observateur Fritznel Joseph était là donc monsieur au palais et Gary Kony il était clair les pape fait bac est-ce que position département d'état donc t'a fait monsieur yo donc retourner sous décision donc on garder qui ça que article Miami Herald lui même li partager avec nous pendant Nations Unies t'es averti vendredi que grand goût a gagné dans nouvelle zone dans pays d'Haïti à cause de crise là qui vient plus grave avec problème gang yo gros politiciens yo dans pays yon a joué yon jouet accusation qui mettait base sur yon autre crise après plusieurs semaines transition hein sur qui est-ce qui doit contrôler gouvernement conseil présidentielle transition a décidé nan vendredi qui sont passé là révoquer premier ministre Gary Kony. Donc nan article qui avançait toujours Gary Kony dans une action qui semblait plus à un coup d'état passé un changement simple dans gouvernement là et pendant haïtien ak diplomatio a essayé suivre qui ça qui pral passer. Eh bien rapport au fait qu'on est que conseil là t'est rencontré avec force sécurité nationale côté l'idée yo t'est informé sur changement yo et puis décidé entre yo remplacement pour Kony selon journal américain. Décision ça faite après plusieurs et dans discussion avec négociation politique vendredi qui sont passé. Et puis après plusieurs semaines désaccord entre premier ministre Gary Kony et Leslie Voltaire.
qui c'est président conseil qui gagne 9 membres la donne. Après il a pris en contrôle leadership là mois passé, eh bien après que il a pris en contrôle leadership là mois passé, Voltaire mandé un changement dans cabinet Conilan et Koni li refuse faire ça. Eh bien jeudi, yon rencontre te organisé côté que organisation état américain donc pour essayer sauver transition hein, te fini sans résultat. Après que Koni Voltaire ak Fritz Jean yon nan mam conseil lan pat arrivé joine yon accord entre yo. Nou la tentative vendredi qui sont passé là pour médier avec crise lan pas bay résultat. Eh bien ça fini que ça a fini avec un membre conseil présidentiel qui était énervé. Donc on a parlé de Régine Abraham qui était sorti dans rencontre ça qui t'a fait tant vendredi qui sont passé là côté que Gary Koni t'a mandé avec un membre conseil pour que yo écarté les trois conseillers présidentiels qui inculpé par rapport ULCC. Donc messieurs dames yo pas d'accord. Eh bien Gary Koni rencontre là fini mal, eh bien après monsieur prend résolution donc yo partagé avec Gary Koni que yo 5 signé résolution ça pour révoquer Gary Koni. Voyez révolution donc en fin journée concernant voyez résolution en journal officiel pays le moniteur ou publié qui déclarait Gary Koni révoqué. Après plusieurs sources qui confirmaient information donc Miami Herald concernant après plusieurs sources qui confirmé information by Miami Herald, eh bien conseil lan t'a pas travaillé sur une deuxième résolution qui t'a nommé un remplacement. Cependant, mes amis famille nous yo pas certain si résolution ça a publié parce que même conseil lan mais même conseil yo paraît a pas continuer discussion et puis planifier pour yon rencontre encore jeudi samedi ça. Sa. Gen quelqu'un diplomate étranger qui Port-au-Prince cap essayer wè si yo ka fè tout yon l'autre bord faire quelques compromis avant publication n'importe résolution ou bien mandat qui nomme yon nouveau premier ministre. Di pa clair. Si 7 membres conseil qui gen droit de vote ak observateur yo gen droit pour yo révoquer premier ministre Gary Koni, qui c'est un expert dans le développement des Nations Unies. Donc, tu es choisi donc, pour venir diriger la transition. Monter conseil présidentiel dans tel pouvoir, pas sorti dans l'élection ou soit dans aucun article dans la Constitution. Donc, conseil est formé de un accord politique qui fait 3 avril par parti politique haïtien, avec organisation civique. Ak aide Washington ak leader Caraïbes CARICOM après démission forcée premier ministre Ariel Henry nan mois mars pendant yon insurgé gang yo nan pays. Idéan c'est que conseil lan yon fois installé te doué choisi yon premier ministre pour remplacer Ariel Henry nan tête yon nouveau gouvernement. En plus un nouveau exécutif de tête lan te doué supervisé rivé yon force sécurité nationale autorisé par Nations Unies qui dirigé par Kenya et puis établi yon commission pour organiser élection générale pour retourner pays dans démocratie avant 7 février 2026. Donc article Miami Herald a continué pour dire que dans presque 6 mois li nan bio donc Gary Koni te gen pile difficulté pour gérer transition qui naviguer dans terrain dangereux en Haïti. Malgré li fait en pile visite bay policier qui blessé yo ak quartier qui en bas attaque gang yo, li pa ka joindre yon accord ak conseil présidentiel. Même conseil présidentiel là accusé Gary Koni comme quoi li remet faire confrontation et li très arrogant. On l'autre côté Gary Koni accusé même conseil présidentiel là qui bloqué effort pour compléter gouvernement côté que yo pas nommé directeur général yo. Depuis un mois Koni té nommé en mai avec Voltaire en particulier dans conflit et sous restriction gouvernement avec un scandale corruption qui vlopé conseil là et puis mettait transition en danger.
yo te tout lagué et faute là youn sous l'autre pendant gang armé yo a prend contrôle ville quartier dans Port-au-Prince pendant moun yo a souffri gangou et puis des milliers de moun obligé chercher l'autre côté priorité y a chercher l'autre abri et bien rapport yo fait qu'on est gen menace en comptant la vie garé koni à quelques ministres mais conseil l'a menacé révoquer garé koni s'il refusait changer cabinet changer faire remaniement ministériel à qui un contrat caché à compagnie sécurité privée américain pendant ce temps effort l'idée des caraïbes pour joindre un terrain d'entente donc t'es parti sur une base qui échoué conseiller Koniyo te fait konnen que malgré conseil l'a agi comme en présidence yo pa gen aucun statut légal pour révoquer parce que accord politique 3 avril l'an pas de jambe officiel publié dans journal le moniteur journal officiel pays et puis yon mécanisme et pour yo d'accord pour mettre en place pour évaluer gouvernement pour conformer que n'a parlé de OKAG zami famille nou yo. Donc Garry Conille ak conseil a goumen pour contrôle gouvernement ak ressources financières limité pays pendant yon vague problème mécontentement sur performance ni police lan ni groupe qui dirigé par Kenya donc force multinationale pendant que gang yo a grandi gang yo a prend plus territoire. Vendredi qui s'est passé là, eh bien, gen bureau droit moun dans Nations Unies, dans Port-au-Prince qui déclarait que presque 5000 moun mouri assassinés entre mois janvier pour arriver mois septembre en Haïti. Sécurité alimentaire là, li continue à augmenter. C'est ça Stéphanie Tremblay, porte-parole adjoint secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres. Te dit journaliste vendredi dans New York pour première fois depuis 2022 nous après quelques zones côté conditions semblent à un grand goût dans quelques zones côté que moun a déplacé te que moun déplacé yo a vive journal américain continue pour le dire zanmi famille nou yo que crise politique là gen racine ni dans deux problèmes donc souhait conseil présidentiel là pour contrôler quelques ministères qui en bas contrôle en bas compétence Garry Conille ak scandale corruption qui inculpé trois conseillers présidentiels yo et même conseil là qui c'est Smith Augustin Louis Joagil ak Emmanuel Ventiler yo accusé que yo mandé directeur conseil administration BNC 100 millions de goudes pour que li te kembe poste li. Donc il y a un montant qui est évalué à 758 000 dollars américains. A mes directeur Raoul Pierre-Louis a refusé demande corruption ça et puis après accusé en public donc trois conseillers. Mais unité anticorruption en Haïti a ouvert une enquête. Malgré yo insisté sur innocence, mon conseil là pas répondre et fort communauté caribe blanc CARICOM qui gagne 15 membres pour médier crise là. Donc yo te refusé sous demande pour démission yo. Donc qui sorti quelques partis politiques qui impliqué dans création donc transition. Yo nan membre accusé yo, n'a par exemple Emmanuel Ventiler, représentant de parti Petite Dessalines, t'a exprimé colère li sous accusation dans une conversation privée que le gagné d'après yon source. Donc n'a cité journal Miami Herald. Comme un juge instructeur, Ventiler a déclaré que li pa doué convoquer et puis que ministère justice l'en doué en bas contrôlé comme membre conseil présidentiel. Jou qu'enquête la fini, li fait promettre transition avancer. Donc d'après Souslan, li dit dans une conversation privée avec donc avec contact sa zami famille nou. Décret scandale Ventiler dit que yo fait le tourner yon moun fou yon diable moi passé hein côté enquête anticorruption yo té publié yon rapport que yo té doué poursuivre donc accusation criminelle yo accusé criminel yo donc Emmanuel Ventiler ak deux autres membres que yo accusé yo
Eh bien, commencement semaine non, et Gary Conny te voyé en lettre en bail Voltaire, li mandel pour retirer droit membre conseiller qui accusé dans corruption yo. Men commencement semaine non, Gary Conny te voyé en lettre en bail Voltaire côté que li mandel pour retirer trois membres conseil qui accusé pour corruption yo. Li te dit Voltaire qui c'est un architecte, un planificateur non question yo ben et puis un éducateur donc aux États-Unis. Donc qui représente pas parti politique famille Lavalas que li croit que changer quelques ministres seulement pas pas soulager difficulté peuple haïtien a fait face. Ça pas soulager souffrance en 700 000 monde qui déplacé en dedans pays hein. Désespoir 5.5 millions monde qui a fait face à une insécurité alimentaire. Donc frustration moun yo qui sans travail ou bien collè communauté yan qui kembe en otage par violence en gang yo. Donc selon ça que let lan et que Gary Conny te voyé by et Leslie Voltaire que Miami Herald cité quelques déclarations la donne. Donc si gestion li même gens ak effort pour médier tension hein. Yon réponse positif. Dans discussion yo ak Gary Conny pour changement donc en gouvernement, même conseil lan yo mandé pour yo remplacer chef donc en justice là, donc ministre et justice là, ministre finance là, ministre défense ak santé. Et puis pour prendre contrôle ministre intérieur qui sous supervision de Gary Conny. Et tout ministre affaires étrangères là donc de madame Dominique Dupuy, surtout position madame Dominique Dupuy content et décision République Dominicaine côté dernièrement là sous question de déportation 10 000 haïtiens chaque semaine que membre conseil là était fâché de position madame Dominique Dupuy amis et famille noyo. Et bien si conseil présidentiel a réussi renvoyer Conny n'a pas avancé avec un article que Miami Herald lui-même a publié. Eh bien, mouvement ça a des conséquences tout là-dedans. Eh bien, Nations Unies, côté que gagne une résolution qui peut finir pour Conseil de sécurité en voté pour envoyer une opération la paix Nations Unies en Haïti pour remplacer force sécurité nationale qui la force multinationale Kenya. Eh bien, responsable dans Washington qui était publiquement supporté Conny à gouvernement mandé membre conseil transition hein, pendant plusieurs semaines pour yo concentrer yo sur priorité urgence Haïti yo. Mais vendredi qui sont passé là porte-parole département d'état Matthew Miller te dit que secrétaire d'état Anthony Blinken qui a essayé joindre plus assistance en sécurité pour Haïti te parlé avec Antonio Guterres sur situation sécurité Haïti hein. Et puis souligner progrès mission multinationale là qui dirigé par Kenya a fait. Mais jour avant appel à Guterres là, Blinken t'est parlé à président William Ruto qui a préparé pour voyer 600 policiers additionnels pour venir renforcer 400 policiers qui Haïti. Donc pour mettre sous policiers qui sorti Jamaïque, qui sorti Belize, qui sorti Bahamas. Mais Blinken t'est remercié Ruto pour leadership li et quand il continuer à supporter mission pendant que l'a travaille avec tokaylio haïtien pour rétablir sécurité avec la paix en Haïti d'après donc Matthew Miller qui c'est porte-parole donc en Maison Blanche donc c'est qui c'est porte-parole département d'état américain donc en effet amis et famille à Noé Lacayo donc ça dire que gagné gros menace selon journal américain Miami Herald si que monsieur yo est arrivé ainsi que yo arrivé donc révoquer Gary Conny zami nou yo donc nous wè que Gary Conny té et nan atelier ensemble avec Leslie Voltaire avec l'autre membre dans conseil lan jodi an gon réunion qui doit faite donc est-ce que résolution ça que nèg yo té pran pour que yo révoquer Gary Conny là est-ce que finalement résolution ça lui-même li pral et publié mais c'est étonne que n'a prêté étonne parce que donc corps groupe international là yo pas nan question
Donc en ça et pour révocation Gary Conny, les amis familiaux et même international l'a mandé pour que yo aller dans et cour de cassation. Yo l'autre côté, la police fait un gros coup de filet côté que yo arrêté policier Hans Jacques et pour détention. Donc trafic de munitions, bien policier Hans Jacques qui c'est agent 3e classe qui fait partie de donc un policier Hans Jean-Jacques policier Hans Jacques agent 3 et classe affecté à unité donc anti-gang UTAG et bien li arrêté et vendredi qui s'est passé là dans zone champ de masse par une patrouille unité départementale et IDMO mais IDMO DDO 1 pour détention trafic et de munitions donc différents calibres mais dans moment et yo arrêté li donc yo te joine en possession li 2400 cartouches zami famille nou yo donc qui gen la dan ni 1400 cartouches de calibre 7.62 et puis 1000 cartouches de calibre 5.56 et bien policier an li tap circuler à bord yon véhicule personnel Subaru et Forester et gris qui matriculé BB14503. Et donc à côté que agent Udmoyo yo trouvel te gagné yon zame Glock 17 avec yon chargeur qui te gagné 17 cartouches la dan te gagné un fusil tout d'assaut PTR et que c'est rien qui c'est DK05852 et quatre chargeurs qui rempli de cartouche 7.62 et rejoindre plusieurs téléphones portables de marque Motorola zami famille nou yo. Et bien dans cadre affaire ça, la police arrêté Gloria Pierre qui c'est compagne et Hans Jean-Jacques qui c'est un employé donc en police nationale, donc en PNH là, donc en service amendement direction et logistique pour transférer monsieur dame sa yo dans DCPJ. Yo arrêté donc Hans Jacques Pierre ensemble avec Gloria Pierre qui c'est madame li avec plusieurs cartouches de différents calibres yo joine yon zam d'assaut avec yon Glock 17 nan mel les amis famille yo donc pour trafic illicite et trafic munition bien nèg gien connivence avec bandi vive en Samyo donc arrestation ça qui fait sous et champ de masse zami famille nous donc c'est monsieur dame ça vous regarder et sous écran donc nous espérons que autant ensemble avec nous de commencement à la fin donc nous espérons que vous apprécier cette vidéo nous invitons vous abonner donc appuyer bouton de notification pour pas rater aucune vidéo pour qu'avine faire partie de famille ça pendant que nous suivons toute information toute évolution qui gagne entre et crise ça qui existait entre deux têtes exécutives là donc Gary Conny ou bien gouvernement avec conseil présidentiel malgré que déjà donc envoyé une résolution dans presse nationale et bien en pile question à poser est-ce que ça l'a arrivé donc à publier et parce que dans le conseil présidentiel là donc il y a pas gagné autorité pour révoquer un premier ministre parce que organe qui pouvait ça li poko crier qui c'est OCAG donc il gagné nous gagne avocat Maître Gousse qui dit que décision monsieur yo illégal donc c'est comme ça que situation est et n'a suivre pour vous. Donc quitte à moi même après je dans prochaine vidéo qui apparaîtra sur écran que moi invité ou cliquer kounya zami famille nou yo.